Ouais, comme je l'ai dit, ce prix restera spécial pour moi. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va me pousser davantage à de redoubler d'efforts sur le terrain et en dehors, parce que, comme vous l'avez dit tantôt, en tout cas, moi, j'essaie de. Ça a été un rêve de gamin pour moi de faire le maxi pour ces gens autour de moi ou voir un peu loin. Parce que j'essaie d'où je viens, je connais la réalité de cette localité. Et je pense qu'ils en ont besoin, donc j'essaie de faire ce que je peux le mieux. Ouais, peut-être plus ou moins, mais ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'une localité que vous connaissez tous. Et je pense que à ma place, sur ma forêt, pareil. Et en tout cas, je le fais parce que ça me tenait tellement à cœur. C'était presque, je dirais plutôt que c'est mon rêve de gamin. Donc, de le faire aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Et je pense que je vais, sans ou avec ce trophée, je ferai le maximum. En tout cas, ce qui est sûr est que ce trophée, honnêtement, je dirais que ça reste spécial. Et si je vous dis spécial, vraiment spécial. Parce que, voilà, ça me. je suis juste très content, en tout cas. Bon. Vous savez, j'aime pas trop en parler, honnêtement, mais ce qui est sûr est que. Inch'Allah, je vais essayer de faire ce que je veux dans le futur. Bonne question. Je pense que, comme je l'ai toujours dit, la Coupe du Monde, c'est un tournoi qui fait rêver et qui m'a toujours fait rêver, même étant jeune. Et aujourd'hui, j'ai la chance de peut-être jouer dans un mois. Et avant tout d'abord, on va essayer de bien préparer et essayer de faire le maximum pour pouvoir rendre tout un continent fier. Ouais, je pense que c'est une émotion différente, comme tu l'as dit, parce que je ne m'attendais même pas à ce trophée. Et donc, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce trophée est spécial pour moi. Et comme vous l'avez dit, le bandeau, c'est quelque chose d'autre. J'espère qu'on sera favori, mais je vois pas le Sénégal comme favori, je pense. Il y a d'autres plus grandes nations qui sont très loin avec le Sénégal comme favori, bien sûr, comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et la Belgique. Donc, ce qui est sûr est que on ira là-bas avec sang-froid et essayer de faire comme on a l'habitude de faire et essayer de prendre match par match. Et on verra dans un mois, ne vous précipitez pas.